Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour continuer notre petite aventure sur Unhankou. On va retenter le niveau de ténèbres 10, hein, et cette fois on va y aller avec la nonne. Il m'a vraiment pas mal plu. Donc on retourne à Brekylien. On doit survivre jusqu'au niveau de menace 10. On va prendre notre niveau de ténèbres de base. Alors je sais pas si je pars direct niveau 10. Ouais non, on peut partir niveau 3 pour le moment. Mais bon, pour l'instant, on va pas mettre de difficultés en plus, on va juste y aller comme ça. On est parti. Alors, en avant. Ok, on commence direct tout à côté de la zone là. Et il n'y a rien à ramasser. Excellent. Un petit peu de bois. On va mettre en favori ça. Faire une petite réserve de salpêtre. Hop, de quoi se faire une petite potion. Alors, est-ce qu'on a de quoi on peut se faire ce truc-là, qui nous donne de la vie et de la capacité de stockage. Mais j'aimerais bien aller chercher ça. Donc, on va tout de suite se faire un petit sifflet de la nature. Chercher un max de peau. Parfait, il y a de la peau là. Dit qu'il y a de la peau par là-bas. Ah, de la fibre, ça c'est excellent. Ensuite, aller améliorer ça. Par là. Est-ce qu'on peut l'atteindre? On peut l'atteindre. Parfait. Et on commence à avoir des ennemis en haut. Alors, vitesse d'attaque des esprits, de la chance, vitesse d'attaque tout simplement. Non, de la chance c'est pas mal. Ok, j'ai pas été assez vite. Alors, si on veut se faire les bottes, récupération de compétences, un peu plus de chance. On a déjà l'armure qui va nous donner de la chance. On va partir sur ça plutôt. Là, on a plein de peau. Améliorer ça, allons-y. Une petite pièce. Là, on a plein de peau, c'est cool. On peut encore améliorer nos bottes. Allons-y. On est au max, on peut encore améliorer nos bottes. Go, il va nous falloir un peu de bois. Ok, on est déjà niveau 4 là avec les bottes, c'est excellent. Si on veut aller chercher ça, il nous faut de la fibre et une âme. On va aller prendre une petite potion, ramasser du champi, un peu de bois. Il nous faudrait de la fibre. Encore du champi, comme ça on est plein. De la fibre, de la fibre, de la fibre. Là. Alors, vu que pour l'instant on n'a pas d'âme, on n'en est pas prêt d'en avoir, on va aller là-dessus. Est-ce qu'on peut se faire un truc comme ça? Alors l'hôtel.
Ok, il y a de la fibre, pas de bol. On a pu. Il y a un petit coffre là. Prendre, ce sera toujours ça de prix. Il nous faudra de la fibre. Là. Parfait, un peu de fibre. Hop, hop. Il y a une forêt qui s'approche là. On va chercher les petits PO. Et on se prend l'arbalète, tiens. Pour avoir un mec un peu à distance, ça peut être cool. Pour s'occuper des enfoirés. Ça, augmenter la vitesse d'attaque des esprits, ça peut être très bien avec l'arbalète, je pense. Ok. On n'a rien débloqué comme munitions, c'est dommage. Il nous faudra de la fibre, encore de la fibre, et là... la fibre, une âme. Et ici, une âme. Ok, donc il nous faut de l'âme et de la fibre, en gros. Se remplir ici. Là, il y a une âme, là. Je vais chercher ça. Le salpêtre, on va en prendre. Ça sera toujours ça de prix. Pareil pour le charbon. Ça peut servir, là, il y a de la fibre, excellent. La fibre, c'est vraiment le truc qui va nous manquer. La fibre et la peau. Ça, il nous faudrait une âme de plus. Et si on veut... aller... si on a le creuset qu'on a débloqué, il faut une âme également. Et si on veut genre... notre petit anneau, là, il nous faut des âmes. Okay. Bon, il faut qu'on trouve des âmes. En gros... cette trip, il nous faut des âmes. L'arbalète va être excellent pour nous se débarrasser des espèces de trucs qui nous chargent là. Petit peu d'or. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on peut avoir... est-ce qu'on peut améliorer des trucs? On peut améliorer toi, on peut améliorer lui. Allons-y, avec notre âme. Tant pis, on le crame, mais... ça, c'est clairement ce qu'il va nous falloir. La fibre. Ouais, alors c'est cool, mais par là, non. C'est pas possible. Y'a pas un autre endroit mieux? Non, il insiste par ici, mais... le problème, c'est que je peux pas y aller par ici. Bon, si, on est passé 9h02, je peux y aller. Peu de peau. Peu de pièces. Ok. Hop, un peu de pièces, excellent. Il y a de la fibre là. Améliorer notre armure un coup. Les deux trucs qui me pop juste sous le nez là. On essaie de ramasser tous ces PO là. Un coffre planqué là. Excellent.
Plus de peau. On peut aller améliorer notre bible. On le fait direct, on se pose pas de questions. Et derrière, on peut améliorer ça. Oula. Ça, c'est la saloperie, ça. Ah ouf. Raté. Ça, c'est merdique à gérer avec elle, là. Ok, c'est géré, parfait. Faire une petite popo, il est temps. Une autre. Je pense qu'on peut retourner vers l'hôtel là-bas. Une petite pièce d'or. Niveau bois, on est plein. Niveau fer, on est plein. Niveau champi, on est plein aussi. Il faut qu'on augmente notre notre stockage. Ce serait bien. Niveau peau, on peut en prendre un peu. Alors, il est où? Ah, il nous faut de la fibre. Vers le bas, excellent. Et re-Mazamara, re-bienvenue sur le live. Ok, un petit peu de fibre, il y a une saloperie en bas là. Parfait. Plein de fibres là, ça c'est parfait. On va chercher les PO. Et on les chope. Ouais, j'ai vu que t'étais sur le jeu, ouais. Alors. Il nous faut des âmes. Du coup, en attendant... Et il nous faut des âmes, on peut se faire ça, ça sera très bien. Et on peut l'améliorer, allons-y. Je pense qu'on l'améliorera pas 2000 fois, mais ce sera toujours bien utile. Et du coup, on peut se faire un truc comme ça. Bien. Où est-ce que tu souffles? Par là. Lâcher des PO. Bah, c'était pas le bon plan ça. Plein de pièces. Alors l'hôtel, ça devait être par ici. Une âme. Ça c'est excellent. Forcément il y a des saloperies. Allez, donne-moi ton âme. Je fais le stock de peau pendant qu'on est là. Du coup, l'hôtel, il est là. Juste à côté de la salle bête.
Ah, il faut de la fibre. Pas cool ça. Oula. L'esprit du tromblon. Ok, pas qu'on reste coincé là. Merde. Non, c'est là, là, une grosse popo s'il te plaît. Putain, les explosifs là. Ça suffit un peu. Et resquash. Joue avec plus de conviction, arrête ta nonchalance. Bravo, bravo. Bel esprit. Allez, il y a plein de pièces à prendre là. On le chope. Ok, on va améliorer toi. Alors, est-ce qu'on peut se faire lui? Non, il nous faut des âmes de nouveau. Âme. Ok, c'est les âmes qui nous manquent. Ah bah, ça tombe bien. Attends. Alors oui, je voulais pas forcément... Ah, j'ai plus de champi. Merde. Ça, c'est la merde, par contre. Ah putain, je suis coincé. Pas rester tranquille à mettre mon cercle avec l'autre qui charge là. On s'en débarrasse vite si on peut. Merde. Et coucou Glentaril, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Beaucoup de peau là, c'est un super endroit. Juste qu'on se débarrasse de ces enfoirés. Merde. J'ai esquivé le canapé, exactement. Maintenant j'essaie d'esquiver les ennemis. On ramasse tout ça. Tu peux pas mourir toi? Merci. On ouvre ça. Rien raté. Ok, il va nous falloir, avant que j'oublie, direct ça. Fibre, toujours. Améliorer toi. Oula. Et bah bon lurk Glentaril. Merci beaucoup d'être passé. Il y a une foutue arène là, on dirait. Je peux pas rester statique avec eux là. Allez, allume-le, allume-le, encore un peu. Ça approche trop là. Là. Sang. Essayez d'atteindre les champis.
C'est un Survivor-like. Alors oui, c'est un peu un mix de tout en fait. C'est un mix avec Survivor, le fait de devoir crafter les ressources, ramasser les... enfin crafter l'équipement, récupérer les ressources à la volée. Il y a un côté roguelite aussi, parce que quand on meurt, on débloque des trucs. Putain, je suis dans sa zone. C'est une recette d'un peu de tout et franchement ça marche vraiment bien. Ok, on va rentrer là-dedans. Espérant qu'on ait le niveau. On dirait qu'il fait pas vraiment de dégâts, lui il nous coince juste. Que si on rentre dans ses picots, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Je pense qu'on va pouvoir se le faire, ça fera pas de mal, un petit peu de calme après là. Oh non, putain, l'autre qui nous coince et qui nous explose à la tronche là. Saloperie. Laissez-moi en paix. Oh là là, quel enfer. Non. Il est pas mort? Sérieux? Abusé, il a une deuxième vie. Ok, on va essayer de chercher les petits champis qui sont là. Allez, tirer dessus, on s'arrache un peu. Est-ce que j'ai assez pour une grosse popo? Je pense pas, hein, non. Pour une popo de base. Allez, petits esprits. Mais c'est bon cette fois ? Non, il a une deuxième vie. Il est très bien. La vache, c'est la grosse saloperie quoi ce boss. Hein. On est déjà ténèbres 5, hein, c'est pas mal. On les voit tous dehors là, qui sont coincés dehors là. Ah, c'est pas possible, y'a un truc qui m'échappe là. Comment on fait pour le tuer? Mazamara, sans spoiler, si t'es dans le coin et que tu sais, il faut le tuer un nombre X de fois ou c'est juste qu'il y a une astuce et que je rate? Ou c'est un bug? Parce qu'après tout, on n'est pas à l'abri.
Allez. Oh la vache. Ouais, alors j'avoue que là... Sortir, parce que franchement, je vois pas trop le truc, là. De la zone. Tu peux t'aider, tu l'as jamais fait. Bah écoute, j'avoue que là je suis un petit peu dubitatif du coup. Il nous faudrait de la fibre encore. À la base, on cherchait un hôtel. On avait trouvé, mais c'était un petit peu trop la merde pour s'arrêter dessus. Hop, hop, une grosse popo, ça sera bien. Ça nous a foutu en retard dans le stuff là. Ok, il nous dit qu'il y a un hôtel par là. J'ai pas du tout suivi où était l'hôtel. Non, pas par là. Là. Ok. Qu'est-ce que tu nous donnes? Esprit de l'épée ou le candélabre? Plutôt le candélabre. Putain, je suis coincé là. Voilà. Non! Putain, je suis dans sa zone. Oh. Bon, ça devrait être gérable si j'ai pas bugué. Prendre une petite popo. Il est trop lent pour vous lui tirer dessus là, vous êtes sérieux? Ouais, non, quand même pas. Ok, cette fois ça a marché. Il y a juste les grosses saloperies qui étaient déjà là qu'il faut tuer maintenant. On va laisser le cercle faire un peu de dégâts là. Bon, on va pas pouvoir aller chercher nos PO là. Un petit peu quand même. Thank you.
Il est. Aïe aïe aïe. Allez là. Ok. On va essayer. Alors c'est déjà la fin de la pause, hein, mais voilà. Alors là, ce qui nous manque, c'est de la fibre, je pense. Mais au maximum. On va faire de lame comme ça. Allez, vague 7. Pas eux. Putain, ils explosent vite, c'est con. Ouais, il nous faut du champignon. Hein. Là où il y a du champignon un peu disponible. Eux, ils sont lents à attaquer. Sauf si je me foire, bien sûr. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Ah, il y a l'enfoiré là qui est dans sa zone. Non, l'explosion qui pique. De quoi faire un petit champi, petit popo. Allez, faire péter du monde là. Voilà ça. Là. Putain. Ok, la fibre. Et alors ça, ça nous donne beaucoup plus de dégâts. Alors, on peut améliorer un petit coup le corsage, on prend. Merde. Fibre, quoi, du tissu. Vache. Là qui font leur aura là. On va mettre une grosse zone de dégâts, ça va les calmer. Tac tac tac, vitesse d'attaque des esprits, c'est parti. Ah
quelques coups là. Ah putain, le caillou. Fibre, la fibre, c'est vraiment le truc qu'il nous faut. C'est encore foutu en moi. Ah, les foutues ronces. Ok, on a des champis. On va faire une grosse popo. Allez, tue-le. Ah putain, il y a l'autre qui arrive avec sa zone de dégâts là. Assez vite encore. On a trouvé aucun Corrigan d'ailleurs encore sur ce niveau. C'est un peu problématique. Ça, c'est un monsieur bonhomme, ça. C'est ça, monsieur bonhomme. D'accord. C'est une statue qui ressemble à un dragon. C'est une statue qui ressemble à un dragon. Ok, merci, Chubiti. C'est toi qui devrais aller dormir. On améliore notre stuff, là. Normalement, on doit pouvoir un peu... Ok, ensuite, une âme puissante, on a largement ce qu'il faut. Je crois que c'est là, c'est bon, c'est le bon chocolat. Ah, il y a trop de trucs partout. Ah mais je l'ai évité là. Bien, j'ai pas de cercle actif là.
On est au niveau 10. Visiblement, il faut qu'on survive après le niveau 10. On va améliorer lui. Faire un peu de dégâts quand le truc s'approche. Quoi ? Évacuez les gars. Où que je vais, il y a des trucs explosifs dans ma tronche, quoi. Bah, surtout squash, c'est censé être 10 l'objectif. Survivre au niveau 10. Mais c'est survivre au niveau 10, ouais. Il me faut quoi pour mon truc là ? On va améliorer ça en attendant. Le tissu, on devrait pouvoir le faire. La peau. Alors là, je prends un risque. Parce que en prenant la grosse pampa. Allez, mangez mon nouveau, ma nouvelle bible. On n'a plus un seul champi, on va faire un peu de stock. Alors, que dit dans le chat, Zerbillions, Rosikino, patatateuse, profite bien de ta télé. Les zones sont encore plus grandes qu'avant manger. Oui, parce que j'ai amélioré beaucoup plus la Bible là. Du coup, fatalement, elle est un peu plus efficace. Mais je suis blasé de pas avoir trouvé de Corrigan là. C'est la dèche du coup dans nos trucs là. On a plus d'âme du tout, sérieux. Il y en a une là. Non. Ah putain, elle a disparu. Tâche accomplie. GG. On a débloqué la zone d'après. On a débloqué un objet chez le marchand. Alors encore faut-il réussir à le trouver, ce foutu marchand. On a débloqué la potion divine. Débloquer la faute protection. Cool. J'aime beaucoup ce nom. L'aimant à pièces. Ah bah voilà. Les anneaux de la node pour les autres classes. Ok. Je vais voir un achievement, réussir une run sans le truc pour l'heure. Bah écoute, j'en ai quelques-uns des achievements là. Upgrader mon arme au rang 10. Ah, c'était le niveau max. Avoir 3 alliés. 3 esprits alliés. Et c'est tout. Il semblerait pas qu'il y ait ce qu'il faut pour ça. Ok, allez, on va s'essayer l'apothicaire. On va arrêter l'épisode de VOD, ça fait un bon épisode de VOD, ce run. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, allez-y, c'est le moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour un run apothicaire sur la nouvelle map, hein, pour s'amuser un peu.
Ciao, ciao tout le monde, et à très vite pour la suite.